Donc vous voyez, ce qui est génial avec Wicasa, les puces, c'est que vous ne vous occupez de rien. Tout est vraiment top parce que du coup, ça permet de se détendre dans un cadre qui nous met en confiance, c'est-à-dire chez soi. Donc c'est beaucoup plus... La seconde masseuse va s'installer ici, là, on attend qu'elle arrive. Non mais attendez, me dites pas qu'elle remplit, c'est une blague! Si. Ne me dites pas qu'elle remplit sa bouteille. Et ça y est, ma seconde masseuse Florence vient d'arriver, que je connais bien maintenant. Non mais j'en peux plus le plâtre, regardez comment elle monte sur sa table. Comme ça, ça va, hein. Ça vous va, hein. Ouais, c'est très bien. Non mais elle me fatigue. Coucou vous. La tronche. Je suis horrible. Elle aura pas tardé à sauter sur son... sa table de massage. Mais non, mais c'était pour tester avec le plâtre. Mais mon app... En tout cas, je vous encourage vraiment à essayer les massages à domicile parce que je vous jure, c'est du temps pour soi de relâcher un peu la pression. On est tous et toutes stressés et c'est vraiment super comme ça de pouvoir se faire masser à domicile. Enfin, moi, je sais que c'est... Ça me rend si bien. Alors, ma grosse. Ça va, ma grosse. Je pourrais être testeuse de... Si ça existe comme métier, testeuse de massage. De massage. Je crème. Oh, mais il n'y a plus de poils sous les bras. Mais c'est dingue. J'en reviens pas. Qu'est-ce que t'es blanche, ma cox. On dirait un bidon de lait. C'était génial. Alors derrière, elle refuse de se lever. Regardez, elle ne bouge plus. Elle me prendra avec la table au fond. Merci, ma cox. Ma vie, non, mais génial. J'ai essayé de me détendre avec ce massage. Tu viens de me retendre. Je suis pas ta que t'as aimé. Ah, c'était incroyable. Tu t'es détendu. Ouais, de ouf. Attends, mais je suis excitée comme une puce. Bah, je vois ça, tu vas être restée tranquille. Elle est au bout du rouleau parce qu'elle a envie d'aller aux chiottes. Non, mais attends, elle se lave. T'es un vrai bulldozer. Mais non, mais tu connais les lendemains de soirée. Ah, c'est bon, les toilettes sont libres, tu peux y aller. Non, mais. Bim, qui c'est qui a passé un excellent dimanche? C'est la Team Scandale. Je suis mais ravigotée, ma belle. Tu vois ça? Tu m'épuises. Quand vous êtes sur l'application, donc vous voyez, vous choisissez ce que vous voulez, que ce soit coiffure, beauté, massage, ménage, coach sportif, tout ça. Mon code est valable sur tout, sauf sur la garde d'enfants. Pour le massage, c'est vachement bien. Vous pouvez choisir si vous voulez absolument donc un masseur ou une masseuse. Donc vous voyez, quand vous entrez le code JEREMSTAR, ça vous fait une incroyable remise, puisque par exemple pour un massage relaxant d'une heure pour femme qui de base est à 59,90, ça vous le fait à 47,92, autant vous dire que c'est deux tarifs aussi bas, donc c'est vraiment génial. Voilà, partie dans Panam, Panam, on arrive. Donc là les puces, on va voir mon bien sympa et on va aller découvrir ces nouvelles boutades. Non, je vous jure, c'est trop sympa, regardez, le monde commence à arriver et tout. Vous pouvez venir donc boire un verre. Mon metteur en scène, je souvent ici. Voilà, ça commence bien, la dame est excédée. La dame est excédée. Alors donc j'arrive et la nana Evie me fait qu'est-ce que t'as, toi t'es debout, tu cherches quoi? Eh ben, mais t'étais pas là. Non, mais non, nous on vient d'arriver. Mais attends, parce que c'est qui là? Il y a une dame dedans, parce que moi je suis venu voir mon metteur en scène, c'est pas un homme qui joue? Non, c'est une nana Evie qui ont un travelot mal travelé. Oh, je crève. Eh ben dis donc, faut changer de boulot, ma puce. Mais je change. J'ai rencontré l'agent de Kenji Girac qui m'a dit toi, pas médecin, toi, pas parfum, toi, pas communicante. Oui, pas mal. Ça va. Allez, il a rendu votre pote. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une dame t'a prise à partie. Et du coup, attends, la meuf... Elle m'a dit, non, casse-toi et va au fond. Et j'ai qu'un doigt de libre. Double fuck. Mais oui, mais ma main gauche, elle tire le parapluie. Ah oui. Film. Et... Ah ah, double fuck, je lâche le parapluie. Ah non, mais elle arrive, arrête. Ouais, mais j'ai pas envie qu'elle me bute. J'ai pas envie. Non, mais attention, qu'est-ce qui se passe? Et moi, tu vois, si je fais le double. Ah, c'est pas elle. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi je peux pas lâcher le parapluie? Comment je t'appelle? JEREMSTAR. JEREMSTAR, c'est pas possible. C'est pas toi, JEREMSTAR, j'ai déjà vu. Il se ressemble, il est pas blanc. Il est pas blanc. Il a une belle image. Bah, je sais pas, je pourrais pas te dire. Mais tu t'as déjà entendu parler de JEREMSTAR? Mais oui, j'ai déjà vu sur Instagram dans son bain. Je te dis que c'est moi. Je te crois pas. Mais si. Oh là là, mais il faut vraiment la. Et regarde-moi, c'est la cocaïne naturelle. Je finis l'histoire, JEREMSTAR, soi-disant. Oui. Et donc, pourquoi je lâche pas mon parapluie?
Pourquoi? Parce que j'en sais rien, ça porte malheur. T'es malade de l'ouvrir. Parce que j'ai fait. Mais vous voulez pas passer sur fond? Ouais, non, moi j'ai pas compris. En tout cas, on a rencontré un. Parce que moi, PayPal. Oh, Liam! C'est vrai que c'est Jérém Star, c'est pas Jérém Star. Liam? Liam, mais c'est le directeur d'ici. C'est toi le directeur? Non, non. Bon, c'est bon, on a vérifié que c'était bien moi? Non, il a dit que c'est pas toi. Mais si, ça craint pour notre. Ah bah. Jérém Star, le mec, il te connaît pas, pourtant il pourrait. Ah bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Non, mais elle donne mal à la tête, t'es du mauvais shit. See me, she will kill me. Quoi? Mais bien sûr, if my mother. Pas anglais, chérie. Mais oui. If my mother. On est tombé sur un. On est venu. T'es un poète des temps modernes, un poète franchement à chier. Oh, je hurle ma co... Ah bah... Donc j'ai réussi à la mettre sur Instagram. Merci quoi. D'arrêter de parler à mon crush. Elle est jolie. Ma puce. Ta grand-mère est ta grand-mère. Ah non, c'est pas sympa. Tout le monde se retourne vers elle. Bon, nous on va partir. Non, hein. Entre, on va voir mon metteur en scène Madou, il joue là en plus à la cantine. On va louper le spectacle avec tes conneries, allez maintenant il faut évacuer. Regardez comme c'est stylé cet endroit, franchement. Trop cool. Ambiance vraiment after work. Les fleurs. On est trop bien, les tables sont stylées de ouf. On va passer un trop bon moment, puce. Installez-vous les amis. Donc l'amie Priscilla, bonjour. Voilà, c'est elle. Et donc ça c'est sa chérie. Et ça c'est donc un ami. Est-ce qu'on peut voir un peu de corps? Cox, t'en penses quoi de ce jeune homme? Il est charmant. J'ai toujours... Tu gênes. Punaise, mais même pour aller aux chiottes, c'est ultra stylé. J'adore. On se croirait dans Alice au pied des merveilles. Mais même les toilettes sont ultra stylées. Mais on adore les miroirs. Yeah. Mais j'adore. Le miroir est oufissime. Oh lolo, mais j'ai envie d'y dormir. Toujours un verre vinasse à la main à crevure. Il y a un bras qui est occupé, mais l'autre, il est libre. C'est ma puce. Il y a un éclairage ici. On est incroyablement beau. Non, mais j'ai une vieille tête, mais je trouve pas que l'éclairage... Mon metteur en fait va me détester parce qu'on est au premier rang, c'est mis tout devant. Contre la scène, il déteste. Bah, c'est vrai que quand on joue et qu'il y a des gens qu'on connaît au premier rang, tout ça, ça déstabilise. Allez, ça commence. Liste de la petite blagounette. Salut, c'est Jean-Marie Bigard. Et vous le connaissez, celle-là? Ça se passe dans un tribunal, tu vois. Et puis il y a des parents qui divorcent. Et alors le juge, il dit au petit garçon, dis donc, mon petit. Tu veux partir habiter avec ton papa? Et là, le petit garçon, il dit non, parce que mon papa, il me bat. Ah bon? Donc tu veux partir avec ta maman? Non, parce que ma maman, elle me bat. Ah bon, mais tu veux partir avec qui alors? Tu veux pas partir avec ta maman et ton papa? Ah ben je veux partir avec le PSG, dit le petit garçon. Ah bon, et pourquoi? Parce que le PSG, il bat personne. Ok, ça va, il y a des Parisiens, c'est pas encore. Bon, ça va, vous êtes enfants? Mes chers compatriotes, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je vous emmerde! C'est incroyable. Vive les Faribol, Calombre d'aide et autre poudre de perlimpinpin. Fap, poupie, fap, fap, fap. On va pas se mentir. Je vous ai fait croire jusqu'à maintenant que l'augmentation... La voix est la même. C'était dû à la guerre en Ukraine. Eh bien, pas du tout. C'est juste pour... C'est flippant. C'est la même voix. Donc, si vous me réalisez en 2022, je vous promets que je continue...